Salut à toutes, salut à tous, c'est Necro et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Tales of Xillia 2. Bien, on continue notre partie. On s'est arrêté en ce moment dans les quêtes annexes. Il m'en manque encore à faire, donc c'est ce qu'on va faire. Ensuite, je vous le promets, on repartira à nouveau dans l'aventure principale, mais pour l'instant, il faut que je XP et il faut que je réussisse ces quêtes. Donc, alors d'abord, il faut que j'élimine des gobelins fouineurs x1, un néo-dragon, 2, de quoi, deux hommes lézards et un bec de lame, c'est ça, et un bec de lame. Très bien, eh bien, c'est parti. Donc là, on est dans une nouvelle, dans un nouveau endroit, l'abîme terrien, tout comme ça. C'est parti. Oui. Oui. C'est bon. Bec de lame néo-dragon. Putain. Il a l'air fort. Il a l'air fort, le petit, là. Ouh, il a l'air fort. Je ne sais pas si j'ai... Ouais, je pense quand même que j'ai le niveau pour. Ils sont puissants, dis donc, les monstres, hein. Ça va être chaud, ça va être chaud que ça va être chaud. Tue-le, tue-le, tue-le. Oh la vache, ok, l'OS. Ouais, en même temps, c'est un nouveau dragon, je m'étonne. Putain. 17600 PV. Très bien. Ok, Leia. Fiole de Rez sur elle. Oh là 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 là, c'est la merde, c'est la grosse merde, il fait très mal. Il faut du soin, c'est bon. Ça me refait que dalle. On est en train de s'énerver là. Wouah, ce coup de queue. Ok. Queue, ça fait mal. Waouh. C'est quoi ces monstres? Maintenant. Ok, il est down. Allez, 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 allez. Oh là là, putain, elle prend très cher, elle prend très cher. J'aurais pas dû la mener, que je n'aurais pas dû, c'est pas grave. Il y a combien? 4000, c'est bon, il est bientôt mort. C'est des gros monstres, hein. Allez, vas-y maintenant, là. Heureusement que j'ai mes arcs, heureusement que j'ai mes arcs. Va pas au cac. Au, 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 mais putain. Elise, ne va pas au cac, t'as encore des PV. Oh là là. Moi encore, reste. Oh oh, c'est la merde, c'est la merde. Tiens. C'est la merde. Soins-moi, putain, soins-moi. Ok. Un jus maintenant, s'il te plaît. Ok, on l'a eu. On a eu ce néo dragon. Oh la vache. Waouh. Et on a tous level up. C'est la fiesta du level up. Eh ben. Waouh. Quel combat. Phew. Ok, Edune. Bien, ensuite, next mission, bibliothèque, événement, mission en cours. Voilà, abîme terra tétalien, voilà, c'est ça, abîme tétalien, j'en suis là. Alors, nos dragons, je crois que c'est fait. Celui-là, c'est bon. Homme lézard, j'ai pas fait. Par contre, bec de lame, c'est fait, donc il me reste des hommes lézards et un gobelin fouineur à... à éliminer, très bien. Ça doit être ça. Ouh, ouh, ah, hé. Ti. Ouais, j'ai vu un lézard.
En tout cas, ils prennent cher. Bonne nouvelle. Ah, ce néo-dragon, il m'a fait mal. Oh la vache! Mais c'est bon, on l'a eu. C'est le principal. On ferme dans la tronche. Allez, si tu crèves. Bon moyen de level ici, purée. Oh, j'ai obtenu des nouvelles armes, des nouvelles capacités. Ben, c'est très bien tout ça. Je peux faire mon rapport, bien. Est-ce que j'ai encore quelque chose à faire? Bio. Non, pas titre. En cours. Retourner au panneau d'affichage. Ah, les hommes des lézards maintenant. Ok, donc il me reste des hommes lézards à éliminer x2. Très bien, hein, on va faire ça. Putain, il y a un. Oh là là, il y a un néo-dragon. Non, non, non. Le néo-dragon, on va peut-être éviter, hein. Ah, il y a un chat. Il est où? Ah, il est là. Canaille. Bouge pas, toi, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. C'est bien. Ah, c'est des gobelins. Oui, mais c'est ça, si, c'est ça qui me manquait. C'est bon. Je pense que c'est ça qui me manquait. En tout cas, cet endroit, c'est bien pour les voleurs. Hein. Ça peut enchaîner, c'est pas grave. J'adore faire cette attaque, l'ange jumelle, c'est tellement craqué. Regagner un peu mes PM tranquillement. Non non, tu te protèges pas non. Non non, je crois pas non. Non non, mais tu te protèges nullement quoi. Voilà. Ah, ça me fait bien les vols hein, quand même hein. Je gagne plus 100 XP à chaque fois. Donc c'était ça. Je crois que c'était ça la mission. Non, c'était des hommes lézards, donc c'est pas ça. Hommes lézards x2, très bien. Pas ça, non, c'est pas ça. Ah, calme-toi. Putain, il y a un néo-dragon. Ah, oh, je me suis pris une attaque surprise, merde! Oh là là, il y en a trop! Ah la merde, pas grave. Pas grave, pas grave, pas grave. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ah, une belle brochette, ça, ça fait plaisir. Après, changer d'arme, ça sera peut-être mieux. Oh là 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 là, j'ai pris très cher. Non, ça fait rien du tout. Vas-y, reprends tes lames. Il en faut peut-être bien me la mettre. Ah merde, mais j'ai eu des morts! God, j'avais pas vu! Oh là là, c'est la merde! C'est la merde! Oh là 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 là! Non, tu n'aimes pas du tout! Oh là 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 là! Ok, Jude est à nouveau mort, super! Et dans. Je vais les raid tous, c'est pas grave. J'ai encore plein de fioles de raid. Bien. Tu raid. Aide-moi, putain. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, Jude. Aide-moi. Je t'en supplie. Ah oui, mais ok. Il en reste plus que. Ah ouais. J'ai plus que combien de flacons? 2, c'est ça. On est dans la merde. 2 fioles de résurrection. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Faut les tuer maintenant, là. Note pour moi-même, ne plus prendre des combats comme ça par derrière. C'est chaud. J'ai une nouvelle capacité. Et j'ai plus de fioles d'Orez. C'est la merde. Ouais, j'en ai plus qu'une. Ouais, je sais, je sais, je sais.
Dommage parce que j'avais presque réussi la quête quoi. Sauf si je reste quelqu'un. Genre je reste Leia. Et tant pis pour Elise. Putain mais il y a un néo-dragon. Oh là là, oh là là. Ouais, je vais reload le truc. Je vais reload. C'est pas grave. J'ai deux hommes lézards à me faire, je vais me les faire. Et après je quitte cet endroit. C'est peut-être eux là. Initiative. Non c'est des gobelins. Putain. C'est pas eux les hommes lézards. Dart. Pas fini. Je peux pas faire la chaîne d'artillerie, mais c'est pas grave, il est quasiment mort. Il va mourir. C'est bon. C'est chaud ici, punaise. Bon. En tout cas. Ah, bah voilà. Ah non, c'est un titre obtenu, merde. C'est pas ça. Ah c'est ça. Peut-être c'est ça, un blizzard. Ouais ça doit être ça. Il m'en faut deux. Un blizzard. Quand j'en vois deux. Très très bien. Reste moi putain. On a plus de. Oh là là, on a plus de rien. Mais non mais je suis con. Mais je viens d'y... Mais c'est pas vrai. Oui, bah oui, active-moi. Bah ouais. Qu'on utilise les objets, please. Non mais là, y'a besoin. Allez, vas-y, crève-le. Crève-le. Ok, c'est bon. Ça sera déjà beaucoup mieux comme ça. Bien. Let's break them down. Je presse level up. Par ailleurs pour Elise. Oh putain. Qu'est-ce que tu veux? Quoi, je suis obligé de payer? Ah non, quoi non? Oh là là. Ah ça va, je te donne tes guilds. Tu m'énerves. Enfin tes galds. Ouais donc pas 15 000. Combien il faut c'est ça? Prochain paiement 15 000. Allez tiens, cadeau. Tu as franchi la ligne des 50 000 galles, comme un Ujjar. Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas. Super. Ah, c'est net. Havre d'Aladi. Très bien. You keep making those payments, and we keep unlocking Sea Havens. Go forth, hardy men folk, and conquer the sea. Oui. She talks like I'm not even here. I guess that's kind of sexist, isn't it? You go forth too, hardy men folk, and conquer the sea as well. Très bien. Oh, I've never been to sea before. Seriously? You gotta check it out. The sea is awesome. It's so big and large and grand. Ouais, c'est bon. Calme-toi. On n'a pas le choix, je pense. Bon. Ah, vous pouvez faire votre rapport mission. On se casse de cet endroit. Oh là là, tant mieux. C'est parfait. Bien. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une ellipse. On se retrouve devant le marchand, enfin, pour le rapport de mission. Et on se retrouve tout de suite après. A de suite. Bien, il est donc temps de rendre ces quêtes. Pff, on a eu vraiment chaud. Allez, c'est parti. Oh, attends, il y a un nouveau monde d'élite. Oh, c'est quoi ce truc? Griffe lourde, chemin d'Aladi. Oh, 24 000 galdes. Oh, ça m'intéresse énormément. Bon sang, j'ai vu, il avait des griffes énormes. Ah, il fait très peur, oui. Les serres d'acier. Bon, on verra si on le fera. En tout cas, rapport. Voilà qui est fait. Bien, est-ce qu'il y a d'autres contrats à prendre? Non, tout ça on s'en fout, c'est cool. Bien. Et voilà, ça c'est une bonne chose de fait. Est-ce que j'ai d'autres armes achetées? Non. Ok.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Il y a deux points que où j'aimerais aller, là, les points rouges, là, les points exclamation rouge. Apparemment, il y a des événements, on va les faire vite fait. Et après, on s'arrêtera là pour cet épisode. On les quête annexes. You've certainly had a big change, Elise. You're going to school now, right? Do you like it? I do, and I really like the uniform. Uniforms? School? Your uniform's really cute, but I've always been more the pants type myself. They're so much easier to move in than skirts. So what side are you on, Luger? Team pants or team skirts? Le camp jupe ou le camp pantalon? Oh là là, c'est comme si tu me demandais de parler chiffon ou de parler torchon. Pantalon à 100%, les jupes bien évidemment. Je sens que si jamais je dis un truc, on va me reprocher, et si jamais je dis un autre truc, on va me reprocher. Je ne sais pas, je ne sais pas, je suis très tiraillé. Allez, je pense à lui faire plaisir si je dis les jupes, alors allons-y les jupes. Norage, Leia. Yes, exactly. Aren't skirts the cutest? Seriously? But you're wearing pants right now. Well, I'm on both teams. Voilà, moi aussi, je suis dans les deux camps. Je suis comme elle. Whoa, that's right. You're wearing leggings under a skirt. Clever. Mais parlons mode. On est sur M6. On est dans touche pas à ma mode. Incroyable. Voilà. Nouveau concept d'émission dans lequel tu dois faire du relooking et tu parles que du relooking. Touche pas à ma mode incroyable qui va arriver sur M6, bien évidemment. Ah. Bon, c'est quoi cet événement? Attends. Ici. Ah oui, là. Genre. Comment c'est l'histoire de jus? Oui. Jude, chapitre 1, idéalisme et réalité. Did you used to play in this park when you were a kid, Luger? Si je venais souvent jouer dans ce parc, je venais tout le temps avec Julius, j'étais plus tendance à rester chez moi. Non, je venais tout le temps jouer au parc avec Julius, bien évidemment, c'était la folie. La folie des grandeurs. Oh, right. Must have been nice. I was an only child. Ah, désolé. Yes? Dr. Mathis, it's Mary. Those pushy people are skulking around the lab again. The one guy says he has a valuable spirit fossil. He's insisting that you trade him your device for it. Mm-hmm. What? Did he say anything else? Only that it's from one of the great spirits. Apparently he got it through connections. I'd have Director Balin deal with it, but he's at an investors meeting right now. With just us here, we don't know what to do. Stonewall him, Mary. You're in Helioborg now? I am. I'll be right there. Don't agree to anything he says, okay? And tell everyone else to do the same. She sure talks loud. Sorry, guess you heard her. I have to go take care of that. J'arrive. Je viens avec toi. Helioborg. She seemed a little worked up. Bah, t'inquiète, j'arrive. Jude doit aller régler ce problème. Si je peux t'aider, j'aimerais venir avec toi. Tu sauras t'en occuper tout seul. Ben non, si je peux t'aider, j'aimerais être avec toi. Exactement. Are you sure? Bien sûr. I'm going too. Non. Gamine, case, non. Faut arrêter, c'est pas pour les enfants. Eh, c'est pas pour les enfants, calme-toi. Vous parlez à un de vos coéquipiers en ville alors que l'icône point d'exclamation rouge est affichée. Vous pouvez déclencher un événement spécial impliquant ce personnage. Ces histoires spécifiques se divisent en plusieurs chapitres. Dans chacune de ces histoires, votre équipe composée de Luger, du personnage central de l'histoire en question, et des éventuels membres concernés. Scénarios sont indiqués par l'icône du cadenas, d'accord, dans le menu. Vous pouvez choisir les autres personnages comme bon vous semble lorsque vous êtes en vie. Si vous souhaitez modifier votre église, c'est donc à ce moment-là qu'il faut le faire. Donc, on fait visiblement un chapitre annexe, histoire de Jude, avec Elise, Leia, Jude et moi. Bon bah c'est parfait, on va faire ça. Est-ce que je peux déclencher autre chose? Non, je peux pas. Après, ah ouais, j'avais un autre événement, mais non. Donc du coup, ça déclenche cet événement-là. Eh ben très bien. Eh ben du coup, ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois, on va continuer et on fera donc l'histoire de Jude. Et puis après, on fera, je pense, l'histoire de Leia.
J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très vite pour la suite de nos aventures sur la chaîne KCG. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.